Et salut tout le monde, c'est l'oncle Buck, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la critique du Réveil de la Force. Après une période qui laissait la licence Star Wars au point mort, en 2012, la société Lucasfilm fut rachetée par la The Walt Disney Company, pour un montant de 4,5 milliards de dollars. Ce qui avait bien entendu comme conséquence que George Lucas n'avait plus aucun droit de création et de direction envers la licence Star Wars, pour en être réduit à un poste de consultant. Merci, mon dieu. Y'a pas de quoi, fiston. Est-ce qu'en même temps, tu pourrais pas effacer Pirates des Caraïbes 5 à tout jamais de l'histoire du cinéma? Eh oh, je suis ton vieux, je suis pas Chuck Norris. Vu que Disney est le nouveau patron de Star Wars, fut donc nommée à la direction de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, une productrice, une femme pour qui j'ai énormément d'estime. Elle fait passer avant tout le travail d'excellence de gens passionnés avant de penser au bon profit. Ce qui en fait que c'est sans aucun doute l'une des meilleures productrices d'Hollywood. Ce qui est un peu normal parce qu'elle a été souvent aidée et conseillée par Steven Spielberg lui-même, ainsi que d'autres excellents réalisateurs, ce qui fait qu'elle a bien appris les bonnes ficelles du métier. Ils avaient néanmoins un obstacle devant eux, l'univers étendu. Du coup, que faire face à ce problème? Eh bien, ils ont rendu l'univers étendu non canonique, ce qui n'a pas plu à une grande partie des fans de la saga. Notamment une catégorie de fans de Star Wars qui ont créé une religion basée sur les principes de l'ordre Jedi, appelée le Jedisme. Et c'est même pas une blague. Donc imaginez avec ces fans quelles ont été leurs réactions quand ils ont appris que le prochain film de la licence allait s'appeler Le Réveil de la Force. Non! Oh mon dieu, non! Du coup, pour la réalisation de cet épisode 7, Kathleen Kennedy voulait avant tout de grands réalisateurs pour redonner naissance à la licence Star Wars, tels que Guillermo del Toro, Zack Snyder, Quentin Tarantino. Elle avait même vu Steven Spielberg, pour dire. Sauf que ces quatre-là ont refusé l'offre de réaliser un nouveau Star Wars. Le choix final se portera donc sur J.J. Abrams, un réalisateur prometteur. Au scénario, nous avons Michael Hand, désolé si je le prononce mal, le scénariste de Toy Story 3. Mais il fut remplacé au bout d'un an par Sir Lawrence Kasdan. Et J.J. Abrams apporta aussi sa patte au scénario, à la composition du film Le Grand John Williams, et vu que l'histoire de ce film se passe après la trilogie originale, eh bien nous avons les anciennes têtes, à savoir Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, Anthony Daniels et Peter Mayhew pour leurs rôles respectifs de la trilogie originale, mais également des nouvelles têtes pour introduire une nouvelle équipe de héros avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Donald Gleeson, Gwendolyn Christie et Andy Serkis. Et on peut noter également la venue pour ce film Ewan McGregor, Frank Oz, celui qui a interprété Yoda, et Alec Guinness, même si ce dernier est mort, pour un caméo vocal. Bien, maintenant ça c'est fini, on peut passer au résumé du film. L'histoire de ce film se passe plus de 30 ans après les événements qui se sont produits à la fin du Retour du Jedi. Luke Skywalker, le dernier chevalier Jedi, a disparu. En son absence, le Premier Ordre est apparu, issu des cendres de l'Empire. Pour lutter face à cette nouvelle ombre qui plane au-dessus de la galaxie, Leia Organa, devenue générale, a créé un mouvement de résistance soutenu par la Nouvelle République. Désireuse de retrouver son frère jumeau, Leia envoie son meilleur pilote, Poe Dameron, sur la planète Jakku, pour y rencontrer un allié qui détient une carte pour retrouver le dernier Jedi. Sauf que malheureusement, le Premier Ordre est lui aussi sur la trace de Skywalker. Un escadron de Stormtroopers du Premier Ordre, dirigé par Kylo Ren, le chef d'un nouvel ordre d'utilisateurs de la Force, les Chevaliers de Ren. La carte n'étant plus au village, Kylo Ren tue le vieil homme et capture Poe Dameron, pour l'emmener à bord de son croiseur pour lui sonder l'esprit. Il a découvert que Dameron a caché la carte dans le corps de son droïde BB-8. Par un heureux hasard, le petit droïde va rencontrer une pilleuse d'épave au grand cœur et au caractère fort, Rey, qui va l'aider et le protéger. Quelques temps plus tard, Rey et BB-8 vont alpaguer un homme qui porte le blouson de Poe Dameron. Finn. Il aura avoué qu'il a aidé Poe Dameron à s'évader du croiseur du Premier Ordre, mais que le vaisseau qu'ils avaient volé s'est fait détruire. Et d'après ses dires, Dameron n'a pas survécu au crash. Il ajoute également qu'il fait partie de la Résistance. Sauf que nous savions depuis un moment dans le film que c'est un mensonge, vu qu'il est un Stormtrooper renégat. Rey, Finn et BB-8 arrivent à quitter Jakku en s'emparant du Faucon Millenium, après une course-poursuite avec le Premier Ordre qui a retrouvé la trace du droïde. Mais très peu de temps après, le Faucon Millenium est attiré à bord d'un cargo, dont les propriétaires s'avèrent être Han Solo et Chewbacca. Une fois la situation revenue un peu au calme, après quelques péripéties, nos protagonistes découvrent enfin la carte qui mène à Skywalker, sauf qu'il s'avère que celle-ci est incomplète et ne correspond à aucun secteur connu de la galaxie. D'après les dires de Han, Luke est parti après qu'il ait tenté de reformer l'ordre Jedi
mais que c'est un de ses apprentis qui s'est rebellé et qui a détruit tout ce qu'il avait entrepris. Pour permettre à BB-8 de rejoindre la résistance, ils se rendent sur la planète Takodana pour y rencontrer une intermédiaire, Maz Kanata. Sauf qu'une fois arrivés dans son château, ils se font repérer de suite par des espions du Premier Ordre et de la résistance. En attendant que la situation s'envenime, nos nouveaux héros ont une discussion avec Maz Kanata de la seule lutte qui vaille dans cette galaxie, celle du bien contre le mal. Sauf que Finn, par peur de ce conflit, décide de partir vers la bordure extérieure et avoue la vérité à Rey qu'il a été un ancien Stormtrooper. Mais Rey ne souhaite pas qu'il parte malgré le fait qu'il lui ait menti. C'est à ce moment-là que Rey est appelée par des étranges voix qui l'amènent dans une cave. Dans celle-ci, elle ouvre un coffre où se trouve l'ancien sabre laser d'Anakin et de Luke Skywalker. En le touchant, elle déclenche une vision de la Force. Choquée par ce qu'elle a vu, Rey décide de s'enfuir, malgré les paroles rassurantes de Maz, qui lui dit que la Force l'a choisi, et d'accepter comme don le sabre laser. Sauf que malheureusement pour la jeune femme, les ennuis ne font que commencer. Le Premier Ordre est passé à l'attaque. D'abord en utilisant sa nouvelle super-arme, la base Starkiller, pour détruire les planètes capitales où se trouve actuellement le Sénat de la Nouvelle République. Et ensuite en attaquant la planète Takodana, avec une force de frappe pour récupérer BB-8. Kylo Ren, qui mène l'attaque, poursuit Rey dans la forêt, et lui sonde l'esprit en découvrant qu'elle a vu la carte. Sauf que le Chevalier Noir doit prendre une décision éclair. Après qu'il ait appris que la résistance est venue à la rescousse de nos héros, il kidnappe Rey pour l'emmener sur la base Starkiller. Finn a été témoin de la scène et Han Solo retrouve très peu de temps après Leia et C-3PO. En arrivant à la base de la résistance, Finn retrouve Poe Dameron qui a survécu au crash, sauf que les choses vont de mal en pire. Le Premier Ordre a découvert où se trouvait la base de la résistance et compte utiliser la base Starkiller contre eux. Grâce aux indications de Finn, la résistance apprend que la base Starkiller a un point faible à exploiter. Un oscillateur thermique qui lui permet de concentrer sa puissante source d'énergie, à savoir un soleil. Mais également la planète Arm est protégée par un bouclier qui doit être désactivé depuis la surface de la planète. C'est donc à l'équipe de Han Solo, Chewbacca et Finn de se rendre à la surface pour désactiver ce bouclier et de sauver Rey. Et quant à Poe Dameron, il lancera l'assaut avec l'escadron Black pour détruire l'oscillateur. Mais avant leur départ, Leia charge Han d'une dernière tâche, de ramener leur fils vers la lumière, à savoir Kylo Ren. Ce qui fait de lui, qui plus est, le petit-fils de Dark Vador. Du côté du Chevalier Noir, il est préoccupé par Rey. Elle a réussi à retourner ses propres pouvoirs contre lui. Kylo Ren faisant son rapport par communication à son maître, le leader suprême Snoke, dont ce dernier lui demande à ce qu'on lui amène la fille. Sauf contre toute attente, Rey commence à utiliser des pouvoirs de la Force qui lui permet de s'évader, tout en retrouvant ses amis qui ont réussi à s'infiltrer sur la base et à désactiver le bouclier. En posant leur bombe, ils se retrouvent dans la même pièce avec une patrouille du Premier Ordre menée par Kylo Ren. Han, se rappelant des dires de Leia, veut croire qu'il peut ramener son fils Ben Solo du côté de la lumière. En vain, Ben finit par tuer son père. Il rattrape nos deux héros dans la forêt et entame un duel au sabre laser avec eux. Au même instant, Poe Dameron a fini par pénétrer dans l'oscillateur thermique et à le détruire, grâce à un trou formé par les bombes de Chewbacca. La planète commence à s'effondrer. Du côté de nos héros qui affrontent Kylo Ren, Finn finit par être blessé lors de son affrontement et à tomber dans le coma. Et quant à Rey, elle rentre en phase avec la Force tout en utilisant sa colère et sa haine contre le Chevalier Noir. Ben, qui est en difficulté, finit par être vaincu en étant blessé au visage. Chewbacca, qui est allé chercher le Faucon Millennium, récupère Finn et Rey et les ramène à la base de la Résistance. Quant à Kylo Ren, il est ramené auprès de son maître pour qu'il puisse terminer sa formation. C'est à ce moment-là que R2-D2, qui était en mode veille depuis le début, finit par se réveiller et a dévoilé le chaînon de la carte manquante. Rey, accompagné de Chewbacca et de R2-D2, prend le Faucon Millennium en direction de cette planète inconnue, où elle finit par retrouver le dernier Jedi. Alors maintenant, on va s'intéresser à la partie qui vous intéresse le plus dans ce genre de vidéo, à savoir mon avis sur le film. J'aime beaucoup Le Réveil de la Force et je considère ce film comme excellent. Mais je suis d'accord avec la plupart d'entre vous. Ce film est imparfait, oui. Et ça m'arrive d'être d'accord avec les reproches qu'on lui fait. Mais des fois, des critiques exagèrent, vu que c'est plus dû à du chipotage et à du pinaillage plutôt qu'à un vrai esprit critique. Certains vont même jusqu'à inventer des défauts que le film n'a pas. On en a gros ! Mais intéressons-nous aux vrais défauts de ce film. Le premier qui me dérange le plus haut point, c'est le réveil d'R2-D2. C'est très étrange que ce petit droïde se réveille pile au moment où ça arrange tout le monde, avec une carte à 90% complète pour retrouver Luke.
C'est vrai que c'est un peu gros pour dire que c'est une facilité scénaristique. C'est limite un Deus Ex Machina, et j'espère que les prochains films arriveront à éclaircir cette affaire. Pour l'instant, on peut faire que des suppositions, mais le réveil d'R2-D2 est tout de même le plus gros point noir de ce film. Il y a également la scène d'intro de Han Solo et de Chewbacca qui est pauvre en termes de mise en scène. C'est vrai que J.J. Abrams aurait un peu plus dû se fouler pour introduire ces deux héros de la saga. Et le fait qu'il retrouve le Faucon Millennium un peu trop facilement, oui c'est vrai, c'est un peu une facilité scénaristique, mais quel Star Wars n'en a pas? Je me suis certes plaigné de la politique dans la prélogie, mais là quand même ce film il a fait fort. Il y en a presque pas du tout. Du coup c'est un peu difficile de s'y retrouver avec cette nouvelle situation géopolitique. Cependant, si on est attentif aux nombreux indices dans le film, on peut en déduire par supposition encore une fois, je pense que la galaxie est divisée en deux grandes puissances, d'un côté la Nouvelle République et de l'autre côté le Premier Ordre. Mais que ces deux grandes puissances ne s'affrontent pas directement, du coup ils sont dans un jeu de guerre froide, avec le jeu des espions et les micro-escarmouches de la résistance contre le Premier Ordre, qui nous font rappeler beaucoup les micro-escarmouches que nous avions eues dans notre guerre froide, dans notre propre réalité. Je ne demande pas bien sûr toute une scène d'explication, mais tout de même, une ou deux petites phrases pour nous expliquer de comment ça se passe maintenant, eh bien ça aurait été pas de refus, parce que là, tout ce qu'on peut se poser, c'est cette question. Et le dernier vrai point négatif de ce film, c'est qu'il prend très peu de risques. Mais attention, certaines personnes ont confondu manque de prise de risque et manque d'originalité. Parce que, excusez-moi, de l'originalité, ce film en fait. Du coup, voilà, ça, ce sont les vrais défauts de ce film. Ceux qui sont plus pointés du doigt par les fans sont plus dus à du pinaillage, à du manque d'ouverture d'esprit ou à de l'incompréhension de leur part. Et déjà avec le premier point que tout le monde a relevé, le fait que le film ressemble beaucoup trop à l'épisode 4. Oui, c'est frappant à ce point. C'est vrai que si on remarque pas ça, il faut être aveugle. Mais où est le problème? Après tout, avec ma vidéo sur la menace fantôme, je vous avais montré et prouvé que ce film a lui aussi copié pas mal d'éléments de l'épisode 4. Et je dirais même mieux que la menace fantôme a beaucoup plus de similitudes avec l'épisode 4 que le réveil de la force. L'épisode 7 ne fait rien d'autre que de faire exprès de recopier l'épisode 4, seulement dans sa forme, parce que dans le fond, c'est un film totalement différent. Les personnages ne sont pas du tout les mêmes, ils n'ont pas du tout le même parcours que ceux de l'épisode 4. Les objets n'ont pas la même signification ni même la même importance, ils n'ont pas le même principe ni même le même but à être utilisé. Vu qu'il a la même forme mais pas le même fond, l'épisode 7 n'est pas un plagiat ou même un copier-coller de l'épisode 4. C'est une corrélation de l'épisode 4 et de l'épisode 1. J'en ai vu certains qui se plaignaient de ce film en disant qu'il n'avait aucune raison d'exister, vu qu'il était en faux raccord avec la fin de l'épisode 6. Parce que d'après eux, la destruction de l'étoile de la mort et la mort de l'empereur signifiaient la mort de l'empire. Excusez-moi, mais même moi quand j'ai découvert le retour du Jedi à l'âge de 6 ans, j'avais beaucoup de mal à croire que cette guerre pouvait se régler d'un claquement de doigts. Oui, c'est vrai que l'empire a perdu son empereur. Et alors, on parle tout de même d'une organisation avec un seul homme, certes, à sa tête, mais plusieurs sous-dirigeants derrière. L'univers Legend a même confirmé que la guerre a continué après l'épisode 6 avec le Grand Amiral Thrawn ou le Conseil des Moffs. Et il y a même des fans qui ont été déçus qu'ils n'ont pas été la cible principale de ce film. Et c'est normal. La cible principale de ce film, c'est la nouvelle génération de fans. Ceux qui vous ont regardé de loin et d'un œil curieux, les films Star Wars que vous avez regardés. Et que maintenant, grâce à cette nouvelle trilogie, ils vont pouvoir se faire une place dans cet immense univers qui leur tend les bras. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de numéro d'épisode sur le titre du film? Hein? Et maintenant, parlons de la réalisation de J.J. Abrams. Mon Dieu, qu'est-ce que ce film est magnifiquement beau! Et surtout, la mise en scène, qu'est-ce qu'elle est superbe! Et j'ai un très bon exemple en tête, la mort de Han Solo qui est une de mes scènes préférées du film. La mise en scène nous montre un jeu de lumière reflétant bien une métaphore du conflit intérieur que subit Ben Solo, comme un duel au sabre laser. Et c'est d'autant plus accentué par le super jeu des acteurs. Mention spéciale à Adam Driver qui a superbement bien joué son personnage. Et dès que la lumière disparaît, la lumière bleue également. Il ne reste plus que la lumière rouge qui reflète l'âme de Ben. Ce qui va ensuite arriver est inévitable. Le résultat final nous montre la mort de Han Solo comme une scène intime entre le père et le fils. Cette scène est juste entre eux et c'est parfaitement bien démontré.
Et j'aime beaucoup les références que J.J. Abrams a reprises de différents films, comme par exemple ce passage qui me fait beaucoup penser au film de Miyazaki, ou alors ce plan-là sur Apocalypse Now. J.J. Abrams s'en sent parfaitement bien dans les scènes de combat aérien, et ce film fait un superbe travail d'équilibrisme entre effets spéciaux physiques et effets spéciaux numériques. L'humour est également un élément des plus bienvenus et que j'ai bien aimé. Alors elle est où votre base ? Dis-lui, vas-y. Dans le système d'Illinium ? Le système d'Illinium, exactement, oui. Il faut que tu nous emmènes là-bas le plus vite possible. Je déposerai au terminal de passage. Je pense également que Kathleen Kennedy a apporté sa patte visuelle au film, vu que ça nous fait ressentir une sorte d'aventure à la Spielberg. Les dialogues sont aussi un gros point fort de ce film. J'ai toujours détesté te voir partir. C'est pour ça que je filais. C'était pour te manquer. Et tu m'as manqué. Tiens, vu que je vous ai montré des personnages, parlons-en. Je les ai tous aimés, que ce soit les anciens comme pour les nouveaux. D'abord, parlons de Rey, qui est mon personnage féminin préféré de la saga. Je l'ai adoré dès sa scène d'intro, une scène visuelle qui nous raconte parfaitement bien qui est ce personnage. Une femme forte, survivante, déterminée et rêveuse. Et j'adore son plan sur le pain, montrant également un aspect authentique de l'univers. Puis le film nous fait découvrir d'autres choses, que malgré son côté femme forte, elle a tout de même une grande innocence et une grande fragilité. Elle considère les droïdes comme des êtres humains, et elle juge les gens pour leurs actes et non pour leurs origines, et ça, ça m'a beaucoup plu. Mais ce qui vous a gêné avec ce personnage, c'est son côté Maritsu. Mais tout ça va avec sa survie de Jakku, du coup elle a dû apprendre des compétences. Mécanicienne, technicienne, pilote, etc. Mais on peut retrouver la même chose avec Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme. Il a acquis des compétences qui lui ont servi à sortir de situations très dangereuses. Mécanicien, technicien, pilote, etc. Non, ce qui a gêné beaucoup de monde, c'est le fait qu'elle apprend la force en 2-2. Mais qui vous dit dans le film qu'elle apprend la force pour la toute première fois? La réponse est rien du tout. Si ça se trouve, Rey a déjà appris les bases de la force quand elle était enfant, mais qu'elle s'en rappelle plus du tout. Sans doute à cause d'un traumatisme psychologique, et c'est pas du tout à s'en tirer les cheveux. Parce que rappelez-vous, dans le jeu vidéo Knight of the Old Republic, attention j'ai spoilé pour ceux qui ne l'ont pas fait, dans le jeu nous incarnions un aventurier qui marche sur les traces d'un ancien seigneur Sith, à savoir Dark Revan. Mais plus nous avancions dans l'aventure, plus nous en arrivions à une révélation qui nous a scotché dans nos sièges, à savoir que Dark Revan, c'était vous depuis le début. Vous avez oublié qui vous étiez juste à cause d'un traumatisme psychologique. Et si ça se trouve, on a le même cas que pour Rey. Et si jamais au cas où j'ai tort dans mes suppositions que c'est juste la toute première fois qu'elle sait maîtriser la force mais d'une manière complètement badass, eh ben je ne vois pas en quoi ça vous dérangerait parce que on a déjà vu ça avant. Kylo Ren est franchement la plus grande force du film. Ce qui me plaît énormément avec ce personnage, c'est qu'il joue avec les attentes des spectateurs. Au départ, on pourrait croire que c'est un serviteur du côté obscur complètement lambda, puis il fait quelque chose qui nous surprend. Il fige une personne, un objet et de l'énergie dans l'espace. Puis il fait preuve d'immaturité et là on commence à se poser des questions. On découvre qu'il est le petit-fils de Dark Vador et enfin la mosaïque est complète. Ce mec est un incapable de première. Les échecs du premier ordre dans le film sont dus à ses doutes et à son immaturité. Tout ce qui fait ce personnage me plaît et je le comprends parfaitement. Finn est mon personnage préféré. Il est gentil, drôle et a un sacré sens moral. Tout comme Rey, Finn a une scène d'introduction visuelle, le mettant parfaitement bien en place. Il va subir un éveil de la conscience par un traumatisme psychologique dû à la violence de son premier combat et la mort d'un de ses camarades. Une trace de sang sur son casque et puis bam, c'est bon, on a notre personnage. Mais ce qui me plaît énormément avec le personnage de Finn, c'est surtout ce qu'il va apprendre grâce au sabre laser. Le sabre laser va être un symbole de libération, mais également réveiller quelque chose qui sommeillait en lui, le courage. Il va se libérer de ses peurs du premier ordre et de Kylo Ren, les affronter directement et devenir enfin un héros. Ça, c'est un héros. Juste un peu dommage qu'il se fasse tout le temps surpasser et sauver par les autres. Et le coup de désacraliser des objets, ça c'est un vieux coup de J.J. Abrams. Il adore faire ça. Pour que ensuite cet objet soit réembelli à sa plus belle valeur, autrement dit là, une personne qui soit digne d'utiliser un sabre laser pour vaincre les forces du mal, tout en faisant un super clin d'œil à la mythologie arthurienne.
le duel au sabre laser. Il est tout aussi bon dans son fond que dans sa forme. L'aspect émotionnel nous prend parfaitement bien parce que nous connaissons les personnages, nous avons appris à les aimer et ils se connaissent entre eux. Déjà dans le contexte, Kylo Ren est blessé aussi bien physiquement que psychologiquement. Du coup, la fatigue le gagne en permanence. Et surtout, son but n'est pas de tuer Rey, mais de la capturer pour l'emmener à son maître. Et maintenant, parlons du combat en lui-même. C'est fluide, parfaitement lisible, on s'y retrouve parfaitement bien dans l'action, et ça ne tombe jamais dans la caricature comme dans tous les duels de la prélogie. J'adore également la mise en scène autour de ce duel. Ça donne un jeu d'arbres qui s'écroulent et de flocons de neige qui s'évaporent au contact des lames. Et puis, on sent enfin qu'il y a du poids dans les coups de sabre. C'est ce qui apporte un côté beaucoup plus naturel au duel. C'est très subjectif, mais je le considère comme étant le meilleur de toute la saga. Et chose intéressante, le fait que Rey utilise les trois émotions interdites qui mènent au côté obscur, à savoir la peur, la colère et l'agressivité. Possibilité que Rey succombe au côté obscur dans les suites ? Et puis la crevasse qui se forme séparant les deux combattants. Mon dieu, ça nous montre parfaitement bien visuellement la rivalité qu'auront Rey et Kylo Ren dans les suites. Ça, c'est du cinéma. Et enfin, le dernier gros point positif de ce film, son thème, à savoir l'acceptation et l'héritage. Chaque personnage du film aura une acceptation à faire due à leur héritage. Et celle qui incarne le mieux cette thématique, c'est Rey, vu qu'elle subit une forme de deuil, et qu'elle compte les jours comme si elle était dans une prison psychologique. La dernière phase d'un deuil, c'est bien entendu l'acceptation. Et Rey doit accepter le fait que sa famille ne reviendra jamais la chercher, tout en acceptant son héritage lié à la force. Elle doit également apprendre à accepter la confiance qu'a les autres envers elle, ainsi qu'à faire confiance aux autres. Tu pourrais en avoir besoin. Je suis assez grande pour me défendre. Oui, je sais, c'est justement pour ça que je te le donne. Et Rey finit par comprendre. Elle accepte ce qu'elle est et elle accepte son passé, ce qui lui permet de mieux entreprendre son avenir. Tout le contraire de Kylo Ren par exemple. Il est l'héritier du côté lumineux, mais du côté obscur. Mais il n'accepte pas sa part lumineuse. Il veut devenir Dark Vador, mais il ne le sera jamais. Il doit avant tout s'accepter tel qu'il est, à savoir Ben Solo. Du coup, voici ma conclusion et mes autres attentes pour les suites. Le réveil de la force est pour moi l'un des meilleurs épisodes de toute la saga. Malgré quelques erreurs, cela ne gâche en rien ses qualités. Ce qui m'énerve au plus haut point à propos du bashing de ce film, ce sont des gens qui se plaignent que ce film est à la fois trop différent et trop ressemblant de ce qui a été fait avant. Il va falloir qu'ils se décident de ce qu'ils veulent, franchement. Parce qu'attention, on en a gros. Et ils confondent nostalgie et esprit critique. C'est très franchement petit, mesquin et connard de leur part. Désolé pour le gros mot. Défilé des glandus, c'est marrant, hein ? Le réveil de la force est à la fois le plus psychologique mais en même temps le plus philosophique de tous les films. Il entame parfaitement bien une nouvelle histoire avec des nouveaux héros que nous retrouverons dans les suites. Et pour ce qui est de mes attentes vis-à-vis de l'épisode 8 et de l'épisode 9, eh bien je vous les ai dit un peu dans la critique. Et puis, je ne crois pas que Rey soit la fille d'un Skywalker, parce que déjà dans cette nouvelle histoire nous en avions déjà un, ni même la descendante d'un personnage connu de la saga. Parce qu'elle partage le même message avec Finn, nous n'avons pas besoin d'avoir des racines extraordinaires pour devenir quelqu'un d'exceptionnel. Et bien entendu, on retrouvera des abrutis de haters qui se plaindront que l'épisode 8 reprend le même schéma narratif que l'épisode 5 et l'épisode 2, alors que c'est tout à fait le but de chaque Star Wars. Tout comme ils se sont plaints du réveil de la force, alors que ce film est juste magnifique, il a été récompensé plusieurs fois au Saturn Award, l'équivalent des Oscars pour les films de science-fiction et de fantasy, notamment pour le meilleur film de science-fiction, les meilleurs acteurs pour Harrison Ford et Adam Driver, le meilleur scénario, la meilleure musique, le meilleur montage, le meilleur maquillage et les meilleurs effets spéciaux. Mais sinon oui, vous avez compris que j'adore ce film. Pour moi, Disney est l'héritier parfait pour pouvoir exploiter les possibilités créatives de cet immense univers. Je ne pense pas avoir convaincu tout le monde, mais j'espère avoir fait comprendre à certains de pourquoi est-ce que j'aime tant ce film, et pourquoi est-ce que je considère que ce film est vraiment énorme. Et je suis content que J.J. Abrams reviendra pour conclure cette nouvelle trilogie. Je vous remercie particulièrement d'avoir suivi ce marathon de vidéos sur les épisodes officiels de la saga Star Wars, en espérant que ça vous a plu, et en espérant que vous allez appréhender l'épisode 8 d'une bien meilleure façon. Je vous souhaite à tous une bonne séance au cinéma pour voir ce fameux film. D'ici là, portez-vous bien, continuez à aimer Disney et les successeurs, et quant à moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut, c'était l'oncle Buck.